Nous accueillons Lydia maintenant au, j'allais dire au 3921, mais non, maintenant c'est le 01 80 20 39 21. Bonsoir Lydia. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez ? Oui, bonsoir, je vous entends. Ah, formidable. D'où m'appelez-vous, Lydia ? Donc dans le Rhône, dans Givors. Vous d'accord. Connaissez un peu le Rhône. Ronald, dans le Rhône, ok. Dans le 69. Et quel âge avez-vous ? Donc j'ai 55, je vais faire 56 bientôt. D'accord. De quoi voulez-vous me parler ? Dites-moi. Bon, en fait, j'ai apprécié vos sujets sur les placements, en fait. Oui. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui en parlent, des mamans, qui ont été victimes ou des enfants, c'est une épreuve, voilà. C'est une épreuve qu'elles traversent, bien évidemment. Bah, en fait, c'est des épreuves énormes, quand même. Oui, bah oui. Oui. Ouais, ça dépend le cas, hein, particulièrement. Et donc, ça me choque beaucoup, en fait, parce qu'on parle beaucoup, on signale beaucoup. On dit beaucoup de choses, mais il n'y a rien qui est fait politiquement au niveau de l'État, quoi. Parce que tout est un ensemble d'États, donc dans l'État, plus la justice, je trouve que c'est quand même. Alors, qu'entendez-vous par là exactement ? En fait, par rapport à ma situation, j'ai ma fille qui vit dans ce cas-là, qui est placée pour moi abusif. Hein. Votre fille a été donc placée ? Oui, oui, oui. D'accord. Suite à un événement, donc c'est vrai qu'elle allait à l'école, elle n'allait pas à l'école. Bon, il y a eu le Covid, entre-temps, elle avait attrapé tout ça. Puis bon, j'ai su avec le temps que, bon, c'est vrai qu'elle ne voulait plus aller trop à l'école. Bon, au début, je ne faisais pas trop attention. Oui. J'ai dit, c'est des ados, voilà. Et puis il y avait le Covid, il y avait tout ça. Donc, j'ai dit, tout qui chine vite. J'ai dit, bon, je ne fais pas trop attention. Et puis du coup, j'ai su par la suite qu'en fait, elle était harcèlement scolaire. Parce que je l'ai emmenée au médecin et tout ça. Et j'ai su comme ça, du jour au lendemain, comme une massue. Voilà. Et tout s'est enchaîné après, par la suite. Donc j'ai eu la totale. Alors, que s'est-il passé ? Elle a quel âge, votre fille, exactement ? Elle a 16 ans quand même. Hein. Oui. Elle a 16 ans, elle a toute sa tête, elle a discernement, elle était très bien. Voilà, et puis du jour au lendemain, on s'est trouvé sur un programme, un système, une méthode, je ne sais pas. Du jour au lendemain, on s'est trouvé plongé dans l'enfer, moi j'appelle ça. Parce que signalement, que s'est-il passé exactement ? Parce que pour qu'une jeune fille soit placée à 16 ans... Oui. Que s'est-il passé exactement ? Ben en fait, soi-disant, c'est l'école. Mais moi, l'école, ils m'ont jamais prévenu de ça, en fait. Oui. Vous savez, on prévient en général, je ne sais pas. Entre-temps, j'avais téléphoné à l'école, vous savez, à l'académie, par rapport à l'harcèlement scolaire. Parce que quand j'ai su que c'était un harcèlement scolaire, bon, j'ai appelé l'académie. J'ai même fait un courrier. Avec le médecin, on essayait de trouver une solution avec ma fille pour qu'elle puisse reprendre l'école, vous savez, oui. Doucement, etc. Et parce qu'elle a été placée et elle n'est plus allée à l'école ? Elle a été placée juste après, en fait. Juste après, Lydia ? Après le MAME, après, parce qu'on a eu une procédure avec la PJ. On a MME, là, vous savez, leur système, là. Oui. Donc, moi, bon, j'ai fait ce qu'on me demande de faire, on va dire. Je suis le mouvement, mais moi, j'étais pas trop pour ça. J'étais pas trop en accord, en fait. Parce que ma fille, elle était suivie médicale, elle allait voir son psychologue, elle était prise en charge, en fait, avec l'hôpital, en cas de souci, etc. Oui. Donc voilà, moi j'ai dit, je m'inquiète pas. Et puis en fait, ça s'est trouvé autrement, en fait, la situation. Voilà. Alors je sais pas si ça s'est trouvé autrement, c'est-à-dire, Lydia.
Autrement, ça veut dire qu'en fait, moi, au départ, j'ai pensé que c'était l'école, comme vous dites, qui a fait le signalement. Oui. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas qui a fait quoi. Ah, vous ne savez toujours pas qui a fait quoi ? Ouais, en fait, je ne sais pas, en fait, pourquoi ma fille, aujourd'hui, à part un juge qui a voulu la placer, voilà, et là, ça continue, en fait, hein, ils continuent, ils sont toujours dans leur... dans leur programme, en fait. Moi, pour moi, c'est ça. C'est une histoire de programme, d'argent. Moi, j'appelle ça de l'argent. Donc. Parce qu'en fait, ils n'écoutent même pas l'enfant. L'enfant, il veut rentrer. Elle veut souvent rentrer. Surtout qu'elle a un grand frère. Hein. Elle a une grande sœur. Oui. Donc, elle a une grande sœur de 33 ans. Elle fait beaucoup de choses avec elle. Maintenant, elle ne fait plus rien. Et elle a un grand frère qui lui manque, hein, parce que... C'est son grand frère, elle parlait souvent avec lui. Donc voilà, quoi. Donc, moi, je suis un petit peu inquiète pour ma fille, en fait. Je comprends. C'est pas son monde à elle, déjà. Donc, voilà. À chaque fois que je la vois, les visites, bah, elles ont été réduites. Parce qu'aujourd'hui, bah, donc... elle est donc dans une famille d'accueil ou dans un foyer ? Non, non, ils l'ont placée dans un foyer, là. Oui, au début, elle était en provisoire, parce que quand ils sont venus me la chercher devant la maison, c'était provisoire au départ. Oui, oui. Et moi, ça m'a choqué quand ils sont venus un jour. Oui, c'est normal. Déjà, ma fille, elle voulait même pas les suivre, elle voulait même pas descendre, elle voulait même pas les... Et tout, mais j'ai dit oui, mais apparemment, eux, ils insistent, ils veulent t'emmener. J'ai même pas eu le temps de lui faire sa valise, j'ai eu le temps de rien du tout. Mais bon, c'est comme ça. Bah parce qu'en fait, elle n'avait pas du tout envie d'être placée, je suppose. Ah ben non. Elle avait sa chambre, à la maison, tout allait bien. Elle avait oui, mais en fait, elle est... À 16 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête d'un enfant. Hein. Oui. Il y a l'adolescence, il y a plein de choses. Moi, j'essayais de trouver déjà une solution pour ma fille qui puisse reprendre l'école. Mmh. Donc après, elle voulait faire les cours à domicile, j'ai fait le CNED, parce que j'ai dit, je vais équilibrer un peu les choses. Elle ne veut pas y aller, je vais essayer de trouver une solution. Mais comme eux, ils ont été plus rapides que moi, avec le juge, etc. Donc du coup, j'ai pas pu... elle n'a même pas suivi son CNED, rien du tout. Hein. Donc j'ai dit, ben, j'ai plus rien, on est obligé de suivre ce qu'ils font, mais... Moi, je suis tout à fait en désaccord, donc je ne peux pas accepter ce qu'ils font, quoi. C'est pour ça que je plains beaucoup de mamans, je plains les petits, les enfants, les tout-petits. Mais comment vous faites, vous, aujourd'hui, alors, Lydia ? Vous vous battez un peu pour la récupérer, votre fille ? C'est ce que je fais, mais je suis avec des gens très, très, très forts. Ils sont très forts. C'est-à-dire ? Eh bien, en fait... Plus je veux la récupérer, plus il me l'éloigne. Ah oui. Vous comprenez ? Vous vous êtes rebellée un peu ? C'est pas que je me rebelle, c'est que je suis en désaccord. Vous savez, moi en France, je suis dans un pays libre, parce qu'ils n'arrêtent pas de dire des mots insensés sur moi-même. Parce que c'est ce que... Moi, je sens qu'ils m'attaquent moi, donc c'est pas ma fille, c'est plutôt moi. Quand il y a un placement, souvent... Il y a bien évidemment les parents qui sont remis en cause et l'éducation, en tout cas, il y a des choses. Mais on va essayer d'aller un peu plus profondément dans les choses. Vous restez avec moi. On laisse passer l'info sur Europe 1 et on se retrouve tout de suite après, Lydia. À tout de suite. Je vous remercie. À tout à l'heure, monsieur. Il est minuit passé de 4 minutes et si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1 et soyez les bienvenus car nous sommes très heureux de vous y accueillir pour... toutes les autres et tous les autres qui nous accompagnent chaque soir, vous le savez, vous pouvez vous aussi à un moment prendre cette décision et composer le 01 80 20 39 21 et peut-être aurai-je le plaisir de vous parler tout à l'heure. Pour le moment, nous sommes avec vous, Lydia, votre fille de 16 ans a donc été placée. Vous nous disiez juste avant le journal que vous sentiez que c'était vous qu'on attaquait. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Ben oui, parce qu'en fait, moi, c'est mon ressenti, hein, personnellement. Parce qu'en fait, ma fille, ben, elle, pour moi, elle est punie largement. Parce que
Moi, en fait, aujourd'hui, le contact que j'ai avec ma fille, ça sera plus le même, quoi. Je les sens qu'ils éloignent, en fait, ma fille. J'ai pas de contact, vous savez, téléphonique. Vous n'avez aucun contact téléphonique ? Ah, aucun. Depuis qu'ils me l'ont pris, depuis le jeudi 2 mars au soir. Oui. Pas de contact téléphonique avec ma fille. Donc, même pas des écritures, vous savez, une lettre, une carte postale. Vous savez, des choses banales, quoi. Oui. Des choses réelles de la vie, simples. Moi, j'étais obligée de faire des petits mots, vous voyez. Ils fouillent les affaires, apparemment, comme pire qu'en prison. Quoi. Parce que ma fille, au départ, elle me dit « J'ai besoin d'aide et je me sens en prison. » Donc, ce que j'ai fait, j'ai dit « Là, il y a un problème. » J'ai dit « Il y a un truc qui ne va pas. » Parce que d'un harcèlement scolaire que fait ma fille dans cette situation. Quoi. Oui. Donc, au début, j'étais sage. Silence, mais là, c'est plus possible. J'ai dit à ma famille, attends, on enlève les enfants en France si on les maltraite. Mais elle est malheureuse, là. Elle est dans un foyer, donc elle ne doit pas être... Moi, je la sens terrorisée. Terrorisée. Ah ouais, terrifiée. Oh là là. Quand je lui parle, ça se voit qu'ils l'ont droguée, parce qu'elle tremble. Des fois, elle se met à pleurer, elle qui pleurait jamais de sa vie. Elle a jamais, c'était pas un bébé qui pleurait. Sa vie, elle pleurait pas trop, vraiment. Le seul jour qu'elle a pleuré, c'est le jour où on a eu l'entretien avec l'assistance sociale. D'ailleurs, j'étais étonnée qu'elle avait un rendez-vous avec une assistance sociale. Ça m'avait choquée un peu. Mais j'étais quand même au rendez-vous. Mais j'aurais jamais dû aller au rendez-vous. Mais bon, on fait... en fonction de ce qu'on peut. Et puis voilà. Pourquoi vous n'auriez pas dû aller au rendez-vous ? Pourquoi vous dites ça ? Parce qu'en fait, je ne voyais pas le rapport avec ma fille, en fait. Une assistance sociale. Oui. Vous savez, déjà quand on avait la PJ, on était déjà surveillés comme ça. Donc je ne voyais pas ce qu'une assistance sociale allait faire. Elle pouvait, l'assistante sociale, normalement, son travail, c'est d'arranger un peu les choses, vous voyez, de peser... Ah non, mais elle a fait la totale. Mais c'est pas vrai tout ça, hein, c'est du baratin. Ah ouais. Les assistantes sociales... Je sais que parfois, elles prennent parti et que quand elles ont les parents dans le pif, elles ne se gênent pas pour... Ah non, mais là, elle m'avait bien dans le pif, hein, je pense. Ah oui. Non, mais moi, c'est mon ressenti, j'ai vu tout de suite. J'ai vu, en fonction de mon avocate, comment elle a réagi, son avocate à ma fille. Parce qu'elle a pris une avocate, votre petite, parce donc. En fait, c'est moi qui ai pris l'initiative, parce que moi, à une époque, 15 ans en arrière, ils ont voulu faire déjà le coup comme ça, par rapport à mon fils. Je sais pas j'ai jamais su c'était quoi le problème. J'ai jamais su pourquoi j'étais dans cette situation. Je sais pas, en fait. Et là, c'est la même chose. Je ne sais pas pourquoi je me trouve encore nez à nez avec ces gens-là. Parce que votre fils a été lui aussi... À une époque, c'était à l'école. C'était pareil. C'était une école dans le coin, là. Il disait je ne sais plus quoi. Tout. Et comme moi, je voulais pas... Je voulais faire plein de choses à mon fils et qu'en fait, mon fils, il avait un QI 4. Oui. Et bon, voilà, il avait fait des tests, etc. Et donc, il avait été placé, lui aussi ? Non, ils ont essayé déjà. Ils avaient déjà essayé. Parce que, il vous attaquait encore, vous, sur votre éducation ? Je pense que c'est ça, en général. Je ne voyais pas d'autre chose. Et en même temps, j'avais mon mari qui demandait le divorce. J'avais la totale ce jour-là. Cette période-là que j'ai jamais oubliée. Hein. Et justement, j'ai l'impression de revivre, vous savez, 15 ans en arrière, la même chose. Donc j'ai repris les mêmes avocats, mais j'aurais pas dû. Mm-hmm. Parce que je pensais pas que... Mais Lydia, ce que je n'arrive pas à savoir, parce que vous avez du mal à me l'expliquer, c'est ce qu'il vous reproche, en fait. Justement, je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Je ne sais pas, en fait, le motif exact. Déjà, à l'époque de mon fils, je ne savais même pas du tout.
Parce que j'ai fait silence. Vous savez, mon avocate me disait, il ne faut rien dire, il ne faut rien faire. Oui. Alors moi, j'ai fait silence, je n'ai même pas demandé de dommages intérêts, je n'ai rien fait, parce que bon, j'avais deux choses, deux solutions, deux problèmes en même temps. Donc j'ai dit, je résous un problème après l'autre. D'accord. Et du coup, le temps est passé, la vie est passée, et rebelote. Je disais encore une école, etc., etc. Bon. J'ai dit, ben, les écoles, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais je sais pas, on vit dans un monde d'école, je ne sais pas ce qu'ils ont, les écoles. Moi, j'étais à l'école, je n'ai jamais vécu ça. Mais non, mais bon. Notre génération n'a pas vécu ça. Il y a une espèce de débauche autour des placements qui est quand même très inquiétante. Très inquiétante. Bah, oui. Merci du mot. C'est bah, oui, oui, que oui, moi, politiquement, je pense que c'est très inquiétant. Moi, j'ai dit à mes frères, on a perdu maman, on avait perdu notre frère, je me suis occupée de vous, on n'a jamais se trouvé à la DAS. Oui. On était des gens très bien, jusqu'à aujourd'hui. Moi, du jour au lendemain, je ne sais pas, je viens à Givors, j'ai la totale. On habite à Communet, on habitait à Chasse, jamais de soucis avec les écoles. Et là, on arrive à un endroit où on a des problèmes. Et on est en 2023, je ne comprends pas. Ah, c'est-à-dire qu'en fait, votre génération n'était pas du tout soumise. Nous n'étions pas soumis, voyez, à tous ces signalements. Je ne sais pas si c'est des signalements. Hein. Moi, j'appelle ça de la diffamation. Ah bah si, il y a eu un signalement sur vous. Vous pouvez en être sûr. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Mais moi, jusqu'à présent, je ne sais pas qui. Donc moi, aujourd'hui. Mon combat, c'est de savoir qui. Parce que si c'est l'école, c'est grave. Si c'est un voisin, c'est grave. Bon, un voisin, ça votre avocate n'arrive pas à avoir le... Bah, elle me dit, c'est le même problème que la dernière fois. J'ai dit, déjà, la dernière fois, on ne m'avait même pas dit c'était quoi le problème. Alors, vous me dites, c'est encore le même problème. Alors, moi, je voudrais bien savoir aujourd'hui, c'est quoi le problème. Oui. Bah, elle ne m'explique pas. J'ai pas de réponse. Donc moi, aujourd'hui, je lui ai dit, j'irai jusqu'au bout. Je ne lâche pas cette fois-ci. Donc voilà, j'ai contacté, vous savez, l'enfant bleu. Hein. J'ai fait le 119. Hein. Oui. Alors ils disent qu'ils sont au courant. Ils sont au courant, mais ils font rien. C'est quand même des associations. Je ne comprends pas. Ils sont au courant de plein de choses. Ils savent qu'il y a des enfants qui sont placés pour rien et ils font rien. Moi, je suis un peu surprise. Non, mais c'est sûr que c'est surprenant d'entendre que vous ne savez pas pourquoi votre fille est placée. Ça, ça me semble complètement... Ah oui, non, complètement... moi là, le 100%, non, je ne sais pas. Ils ont dit que des choses ceci, des choses cela. Mais bon, il ne parle pas d'harcèlement scolaire. D'ailleurs, j'ai le juge là qui avait eu déjà des plaintes, parce que j'ai mon fils qui s'était renseigné. Oui. Je dis, bah, dis donc, si on est tombé sur celui-là qui a eu des plaintes contre lui et qui est toujours juge, bah, comment on va faire? Donc du coup, maintenant, j'ai un nouveau juge, c'est une dame, mais je ne l'ai pas vue. Ma fille, je ne sais même pas si elle lui a parlé, parce que quand même, elle a son mot à dire. Parce que ah moi, bah oui, à chaque oui, fois, oui, j'ai quand un même. Souci, quand j'ai un souci, je vais à la gendarmerie. Ils me disent que normalement, à 16 ans, elle a son mot à dire. Ah bah, évidemment, elle a son mot à dire. Mais je leur ai dit, c'est bien beau de le dire, mais moi, je leur fais comprendre ceci, mais ils me disent que j'entends ce que je veux entendre, l'éducatrice, donc avec les services ASE de Givors. Donc, je parle dans le vent. Donc, ma fille, ça doit être pareil. Donc, voilà, quoi. Où on en est, quoi. Un enfant de 16 ans, comme ça, pas maltraité, pas frappé, rien oui. du tout. Hein. Oui, oui. Jamais malade, à part qu'elle a attrapé le Covid. Elle se trouve aujourd'hui dans un foyer. Alors qu'elle était toute peinarde chez vous, tranquille. Elle allait à l'école, il n'y avait pas de problème d'absentéisme. Si, si, justement, ah oui, Olivier. D'accord, ok. Oui, ça a joué énormément, ça, justement. Je m'en veux beaucoup. Elle n'allait pas à l'école et qu'est-ce qu'elle faisait à la place? Elle traînait? Ben, en fait,
Elle était souvent sur son ordinateur. Elle avait des amis sur Internet, un ou deux. D'accord. Mais est-ce qu'elle traînait un peu? Est-ce qu'elle elle allait dehors? Non, c'était pas un enfant extérieur. D'accord. Non. Donc elle était chez vous, en fait. Chez nous, on est très casaniers. D'accord. Très donc ça veut dire qu'aujourd'hui, extérieur. Un enfant qui n'aime pas trop l'école, qui n'a pas trop... En fait, c'est pas qu'elle n'aimait pas l'école, c'est que là où elle était, elle n'a pas trouvé son élément. Parce que là, elle a changé. Là, elle est dans une école. Ça a l'air d'aller super bien. Oui. Bon, pourvu que ça dure. Parce qu'au début, c'est toujours beau. Et voilà. Mais ça a l'air d'être... pour elle, je vois qu'elle est plus épanouie. D'accord. Je la sens bien, bien partie pour aller à l'école. Mais bon, après, elle verra bien. Bon, puis... le plus important maintenant, c'est d'essayer de la sortir de là. Si elle est terrorisée, comme vous dites, c'est pas possible. Oui, elle a les yeux très fatigués. On voit bien qu'il lui donne bien des médicaments. Mais vous pensez pourquoi il lui donnerait des médicaments? Parce qu'au départ, en fait, avec son médecin, elle avait la phobie scolaire et elle était anxieuse. Mais au début, moi, je ne voulais pas trop. Je réfléchissais avant de lui donner, vous voyez. C'est quand même c'est pas des médicaments, c'est pas des bonbons, quoi. Hein. Bien sûr. Et donc, comme je connais chaque enfant de mes enfants, on n'est pas très médicaments déjà d'entrée. Et comme elle, déjà, elle prenait à peine des doliprane, j'avais du mal à lui donner. Mm-hmm. Donc, j'ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi lui donne ce médicament. Sarah, au 739-21 nous envoie un SMS pour nous demander pourquoi la police judiciaire s'intéressait à votre fille. Mais j'en sais rien. Je ne sais pas, madame. Ah, excusez-moi. Je ne sais pas, en fait, parce que soi-disant, c'était une histoire de comment c'était fait, vous savez, des trucs clarification après le juge, vous savez, elle est rentrée du tribunal. Oui. Elle s'est fait des coupures, en fait. Elle s'était fait des scarifications, c'est ça? Voilà, après le tribunal. Et donc ça a été pris en compte. Mais est-ce que la parole de votre fille a été prise en compte? Parce que j'ai l'impression que dans cette histoire... Jamais, parce que le jour où le juge l'a placée, en fait, moi déjà je ne voulais pas lui parler parce qu'il me tétanisait, en fait. Comme mon fils, il m'a dit, oui, il y a eu des plaintes contre ce monsieur, je ne sais pas quoi. J'ai dit, oulala, je suis rentrée dans un truc. Je ne voulais pas trop lui parler. J'avais dit à mon avocate, je ne voulais pas trop lui parler. Et puis, j'ai parlé. Mais je savais que ma fille n'était pas présente. Je savais très bien qu'il ne voulait pas me la rendre. Donc, je savais que je parlais pour rien. Vous laissiez l'avocate parler, du coup? Je voulais que l'avocate parle, oui, à ma place. Bon, j'ai parlé un peu, mais bon, je savais très bien que ma fille, elle n'était pas présente. Vous savez, le jour du tribunal, elle n'était pas présente. Donc, je savais très bien qu'il ne voulait pas me la rendre. Que ce n'était pas vraiment provisoire. C'est curieux qu'à 16 ans, elle n'ait même pas été présente à son propre... c'est quand même incroyable que... Ils l'ont écouté, vous savez, Olivier, le lendemain. Ouais, c'est peut-être normal, hein, je ne vais pas critiquer une procédure que je ne connais pas complètement, le fait que la gamine ne soit pas là en présence de tous les acteurs de sa vie, hein, oui, en tout cas, toutes celles et ceux qui ont décidé de décider pour elle, oui. Qu'elle ne soit pas là pour entendre et au moins apporter, elle, son ressenti sur tout ça, me semble complètement délirant. Choquant, ouais. Bon, en tout cas, tenez-nous au courant, Lydia, hein, de la suite des événements, n'hésitez pas, d'accord? Moi, j'essaye d'avoir un autre avocat. J'avais contacté Serinda Christine. Et j'avais rencontré aussi, j'ai eu M. Hamas. Oui. Mais bon, voilà, il faut les payer, quoi. Les avocats, c'est pas... C'est normal. Ils travaillent pour ça. Bon. Très complexe, oui, voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie. Je vous en prie. Olivier, et puis, tenez-nous au courant, Lydia. Hein, et merci beaucoup et bon courage à tous. Je vous en prie. Et vive la France. Oui, ouais. Bonsoir. Voilà. Au revoir. Merci, bonsoir.